Hey yo les amis, on se retrouve sur Oraculum. Alors aujourd'hui, today, c'est pas pour un let's play, c'est pour autre chose. Donc je voulais vous parler de mes personnages parce que oui, ça fait un moment que je fais des vidéos sur Oraculum et les autres jeux, mais je vous ai jamais parlé de mes personnages, leur parcours, etc. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas aujourd'hui, hein, on est samedi 21 janvier, hein, 2017 bien sûr. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, hein, et vous parler de mes personnages et leur parcours, pourquoi je les avais créés et pourquoi j'ai pas donné de suite à ces personnages là, parce que c'est très important aussi quand on fait un personnage. Par contre, ben, par exemple, bah ben, soit c'est pour avoir quelque chose, soit c'est pour la classe, soit c'est pour découvrir un truc, ou soit pour avoir des rerolls pour pouvoir stocker des choses dedans. Mais moi, c'est pas le cas, donc, enfin, si, hein, au début, c'était ça, mais après, ben, avec le temps, il m'a fallu vraiment, voilà, pour découvrir les classes, etc., hein, ou découvrir les jeux où il y avait des trucs que j'avais pas pu faire dans d'autres comptes, du coup, ben, je l'ai fait dans un autre compte, voilà, c'est un peu, hein, t'as compris. Donc, le tout premier personnage que j'ai eu dans ce jeu, alors il s'appelle Death Dragon. Voilà. Death Dragon, ça date vraiment énormément. C'est au tout début que j'avais commencé Aura Kingdom. En fait, pour vous raconter l'histoire, en fait, ben, au début, quand j'ai commencé le jeu, brièvement, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire non plus. Quand j'ai commencé le jeu, j'avais plusieurs noms. Donc, je m'étais appelé. Œil de faucon, voilà, c'est des noms dégueulasses, hein, mais chaque chose en son temps. Au début, je m'appelais Œil de faucon, je me suis appelé aussi Griffenix. Enfin, j'ai eu plein de noms qui ont défilé, mais au final, bah, j'ai trouvé bien Death Dragon vraiment sympa. Parce qu'avant, au tout début de ça, mais ça, on reviendra quand on sera sur le jeu. Sur le jeu Eden Eternal, quand je vais vous parler du jeu. Death Dragon, en fait, bah, je l'ai trouvé parce que voilà, je n'arrivais pas à garder, enfin, je trouvais pas cool l'ancien nom que j'utilisais. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer un peu, et je m'étais appelé Death Dragon. Et c'est l'un des premiers personnages que j'ai eu sur le jeu, Aura Kingdom. Et franchement, j'ai vraiment adoré de jouer tank. Mais à certains niveaux, en fait, par exemple, là c'est le level 63, pour moi c'est le level max, hein, parce que j'arrivais plus à monter plus haut, parce que c'était trop énervant et trop chiant de jouer tank. Du coup, bah, j'ai changé de personnage, et je suis passé directement au personnage Gris Phoenix. Celui-là, en fait, bah, il est fort, hein. Franchement, il est bien, moi j'ai adoré, c'est le seul personnage de niveau le plus haut level de mon compte. Parce qu'en fait, lui, j'ai juste quand j'ai eu, voilà, j'ai eu l'envie de changer de classe, en fait, parce que j'en avais marre du tank. Je me suis dit, tiens, pour pouvoir garder mon stuff et pouvoir continuer à XP aussi vite. Je me suis dit, tiens, je vais choisir une classe, mais qui me permet de garder mon stuff. Donc, j'ai choisi Heal. Et en jouant Heal, en fait, bah, je me suis permis d'avancer plus vite, parce que déjà, j'étais sollicité de partout. Hein, il y avait des joueurs qui me demandaient partout, parce que voilà, à l'époque, hein, parce que maintenant, ça fait un moment que je joue plus, mais à l'époque, j'étais pas mal, enfin, j'étais soi-disant un bon Heal, ça va, je gérais quelque chose. J'arrivais à tenir des longs donjons, à healer tout le groupe. Après, vous dire jouer heal dans Oraculum, en fait, il faut vraiment savoir vraiment placer ses sorts et les lancer au bon moment, en fait. Parce qu'on fait pas les bourrines comme sur Eden Eternal, genre tu balances que des heals à tout moment, à tout va, etc. Donc, il faut vraiment choisir les bons moments et pour éviter que tes coéquipiers meurent sur les coups. Voilà. Et la troisième classe, le troisième personnage que j'ai fait, c'est Griffonné. Je l'ai créé pour voilà, c'était pour juste pour un clip avec un photo. Et j'avais créé un tank aussi, et il est tellement badass ce Griffonné,
que voilà, je joue plus parce que voilà, j'en pouvais plus parce que j'avais déjà joué tant avant, et c'était juste pour jouer avec toi, c'était une pote ou à Toto, je sais plus, mais ça fait trop longtemps. Et du coup, bah, j'ai arrêté de l'XP, il est à level 55. Et la suite, bah, c'est Or. Or, je l'ai créé il y a pas longtemps, ça fait aussi un moment quand même. L'année dernière, c'est plus. Et du coup, bah, pareil, hein, je vais les tester, juste parce que j'avais joué avec un ami aussi. Et c'est pour tester la classe bâton. Il faut les deux, parce que ça les donnait. Et c'est pas mal. Du coup, j'ai arrêté aussi à level 52 parce que ça, voilà, ça m'a trop gavé. Et voilà. Du coup, ça m'a saoulé et complètement arrêté. Après, quand j'ai arrêté de faire l'info, j'ai créé un autre personnage qui s'appelle Griffinus. Alors, Griffinus, en fait, c'est l'un des personnages que j'adore le plus parce que j'ai monté la classe H. Et j'étais tellement à fond dedans que j'ai monté tout mon stuff, tout était nickel. C'est là, enfin, Griffinus et le Griffinus, le heal, en fait, c'est l'un des classes que j'ai vraiment misé beaucoup, beaucoup dedans. Parce que, limite, je me suis ruiné dedans parce que j'ai tout leur stuff. J'ai monté les armes à fond. J'ai farmé avec ces classes-là pour pouvoir avoir des bons niveaux. Alors après, maintenant j'ai arrêté parce que voilà, parce que j'ai arrêté, c'est pas que la classe elle était dégueulasse, mais c'est juste que j'ai arrêté par rapport au jeu elle-même, enfin le jeu lui-même, j'ai arrêté parce que le jeu commençait à, voilà, je commençais à me faire chier dans le jeu, du coup bah j'ai arrêté, j'ai tout arrêté, et je reviens de temps en temps, hein, mais voilà, j'ai tout arrêté, et bon, je connais pas si je veux. Voilà. Très bien. Et après pour les autres personnages, mais je pense que vous savez déjà, hein, Griffinus, enfin Heathcliff et Heathcliff G, des personnages que j'avais créés, mais celui-là je crois que je fais un let's play dessus, mais l'autre je l'avais déjà fait, ça fait un moment, je pense que donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ces petits passages de parcours de mon jeu, enfin des jeux que je prévois à faire, vous aurez plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez, ou peut-être même me dire votre parcours à vous, comment ça s'est passé, et on se donne rendez-vous sur notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous donne rendez-vous sur notre vidéo et ciao tout le monde.